Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on a décidé d'aller se balader un petit peu. Et là maintenant on se dirige vers... On se dirige où? Vers la patinoire. La patinoire de Montpellier. Ouais, on va faire un petit tour. On va voir si on arrive à vous montrer quelques images de cette patinoire là, parce qu'elle est vraiment chouette. Elle est originale puisqu'il n'y a pas une patinoire classique. Mais je vous en dis pas plus. On espère vraiment pouvoir vous ramener des images. Et puis bah, on y va. Ouais. Ah oui, papa est là aussi. Je sais pas si je t'ai vu. Je crois que t'étais pas dans le cadre en fait. T'es prête? Oui. Oui? T'as les patins? C'est bon? Yeah. Ça y est, cette fois-ci tu les as au pied? Ouais. Ah, t'es trop mignonne avec les patins là. Bon, toi t'as toujours pas récupéré ta paire à toi? On va s'en occuper. Et comme d'habitude, c'est papa qui fait les lacets. Il sert mieux. Bah oui. Elle se repose. Jane se repose. Oui. Comment? Ya! Yeah. Ya? Yeah? Ouais? Encore? Ouais! Alors les filles? Patinoire et même après d'autres choses, puisque comme vous l'avez vu, on s'est bien amusé sur les patins. Ouais. Oh oui. C'était sympa. Hein? Trop. Qu'est-ce qu'il en a pensé, papa? C'était chouette. C'était chouette. Ouais, j'aime bien la patinoire. Et cette fois-ci, j'ai tenu pendant un moment la caméra, donc vous avez pu voir le papa patiner. Parce que la dernière fois, vous aviez été beaucoup à me dire oui, mais on n'a pas vu le papa patiner. Comment ça se fait? Bah, c'est parce qu'en fait, la caméra était sur lui. Donc si la caméra a pu filmer de façon, on va dire, plutôt sympathique, c'est parce que le papa a un niveau de patin, on va dire, suffisamment sympa aussi pour pouvoir nous filmer quand nous on avance, lui en reculant. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'ai tenté de le faire aujourd'hui pour que vous puissiez le voir un petit peu lui aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait après, les enfants et papa? On est allé au trampoline. On est allé voir à quoi ressemblait le Riband. De Montpellier. On est bien ici.
des toiles. Parce qu'il y a c'est des mitigé toiles, en fait. Il y a des toiles de compétition. Du coup, bah, ce que j'ai l'habitude ça, de, c'est plutôt chouette de faire. Toi qui veux faire vraiment des trucs sympas. Oui, mais aussi, par exemple, il y a les bacs. Mm-hmm. T'as pas le droit de faire un départ de l'arrière. C'est obligé en avant. D'accord. Donc des contraintes que t'as pas forcément eues dans les autres parcs. Et la puce, elle a trouvé que c'était pas forcément super sympa pour les petits. Parce... En fait, j'ai vu un parc avec des trucs, sauf que c'était à partir de 11 ans. Il y a tout un espace au milieu avec des... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un parcours? Parcours plutôt Warrior. Un parcours un peu plutôt comme Ninja Warrior. Mais du coup, il y a une limite d'âge qui est de... 12 ans. 1m50. Et 1m50. 11 ans et 1m50. Oui. Du coup, bah, forcément, n'ayant pas l'âge ni la taille requise, bah, c'était pas possible. Alors, pour le coup, pour ton âge, j'avais juste des petites trampolines, quoi. C'est tout. Ouais, c'était assez limité. C'est vrai que c'est plus un parc pour ados et adultes. Plus ados et adultes, oui. Mais, bah, néanmoins, on voulait tester, on a testé. Vous avez quand même passé un bon moment. Oui. C'est juste que on préfère le Jump Indoor. C'est ça. Et toi, papa? T'as un mot à dire avant que j'arrête le vlog? Non, j'espère qu'ils auront apprécié, comme nous on a pu s'amuser, et voilà. Sur ce, on espère que ce petit vlog vous aura plu. On vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.